fait beau. Ouais. Oh, qui sont ces deux-là? Tu ne les connais pas? Simba et Bimbo. Approchez. Bonjour Simba, bonjour Bimbo, vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on ne vous a vu. Ah oui, je suis contente de vous revoir. Ah, vous avez bonne mine. Oh Bimbo, tu as des bois et tu as grandi. Oui. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Toi aussi Simba. Oh, tu es grand et fort maintenant. Tu as même une crinière. Ouais. J'espère que nous nous reverrons souvent. Oui, je l'espère, moi aussi. Au revoir, Simba. Au revoir, Bimbo. Au revoir, à bientôt. Tu voudrais t'envoler avec eux? Oh non, j'aurais le vertige. Viens, nous devons y aller. Nos amis nous attendent. Oui, tu as raison, allons-y. Oh! Shere Khan? Va prévenir Bagheera. Non! N'y va pas, Simba! Réponds, qui es-tu? Quel est ton nom? Je suis Simba et je te conseille de quitter cette jungle. Tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne connais pas l'étendue de mes pouvoirs. Va-t'en d'ici. Regarde bien. Tu vois Sunny? Tu vas le regretter! Je dois y aller. Tu prends trop de risques. Fuis-moi. Tu ne m'échapperas pas. Oh, il s'éloigne. Allons vite chercher Harald. Simba! C'est que c'est là! Je suis sûr que c'est un coup de Shere Khan. Arrêtez! N'allez pas par là! Toute la colline est en feu! Est-ce que tu as vu les petits? Hélas, non! On ne voit rien du tout à cause de la fumée! J'espère qu'ils vont bien. Absolument stopper cet incendie. Mais tu as raison. Nous allons. Hein? Regardez. Oh. Ouais, voilà Simba. Et il ramène Harald. Il faut vite le soigner. Mettez-le sur mon dos. Allez-y. Vite. Oh, Harald.
Harald! Oh, comment vas-tu? Maman! Oh. Oh. Merci, Simba. Ah, Simba, il est bien comme son père. Balou, emmène-le chez moi. Bagheera, je suis très inquiète. Hein? Ce cobra blanc est vraiment cruel. Oh. Sa morsure tue même les éléphants. Tous ensemble, nous le vaincrons. Hein? Il faut s'en aller d'ici, à cause des petits. Maman, Harald ne va pas bien. Oh. Oh, je ne peux pas quitter la jungle avant d'avoir vengé mes parents. Tu te donnes bien du mal pour garder les petits. J'ai appris qu'un cobra est arrivé dans la jungle. Oui, malheureusement. J'ai su qu'il a fait du mal aux petits loups. Oui, et pour cette raison, Cilia veut quitter la jungle. Il a un venin terrible. Sa morsure tue même les rhinocéros. Je sais. Ce cobra est un reptile. Si on demandait conseil au serpent. Oui, j'y avais pensé. Ka doit pouvoir nous aider. Il nous dira peut-être comment s'en débarrasser. Ka. Je vais faire mon tour. Laisse-moi dormir, pourquoi tu me réveilles? Il faut qu'on aille voir Ka. Oh non, pourquoi faire? Pour nous débarrasser du cobra. Viens, on en parlera en route. Alors, tu me racontes? Plus tard! Qui va là? N'aie pas peur! C'est encore toi! Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je suis venu saluer l'ex-roi serpent. Fiche le camp! Tu as beaucoup d'audace. Hier, tu m'as volé mon repas. Et aujourd'hui, tu me défies. Au risque d'y laisser la vie, je te réduirai en bouillie. Un vrai caractère de lion. Je te propose un marché, hein? Tu t'en vas, mais tu me laisses le petit fan. Jamais! Nous partageons tout, la vie et la mort. Ah oui. Je te dévorerai tout cru. Qui fait tout ce tapage? Un peu de discrétion, il est encore très tôt. Bonjour Simba, que fais-tu ici? Bonjour Ka. On est vraiment content de te voir. Tu arrives bien. C'est une bonne surprise. Ah, vous avez grandi tous les deux. Tu as une crinière déjà et Bimbo a des bois. Dis donc, Cobra, tu voulais les croquer? Oh non, pas du tout, je leur faisais des blagues. Je les taquinais. Je vais te donner un bon conseil. Ces petits ont été marqués par la grande ours. Ils seront bientôt rois de la jungle et de la forêt. Si tu leur fais du mal, tu seras puni par les dieux. Je n'oublierai pas ton conseil, Ka. Va-t'en et laisse les animaux tranquilles. Oui, d'accord. Vous étiez en danger. Son venin est puissant. S'il vous mordait, vous pourriez mourir. Comment faire pour se défendre contre lui? Dès qu'il s'approche de vous, courez en zigzag. Oui, en zigzag. Ha 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 ha
Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Il ne vous attaquera pas. D'accord. Au revoir, Ka. Chercher? On était allé voir Ka, mais en route... On a rencontré le cobra. Qui a promis de ne plus nous attaquer. Ah oui? Et pourtant, ce cobra vous a jeté un regard noir quand vous avez traversé le marécage. Méfiez-vous! Au revoir! Le cobra blanc? Non, c'est impossible. Ka lui a fait jurer de nous laisser tranquille. Ah oui, c'est vrai. Et il a dit à Ka, je n'oublierai pas ton conseil. Ka lui a dit, laisse les animaux. Et puis il a promis à Ka de ne plus nous ennuyer. Ouais. Nous n'avons rien à craindre, grâce à Ka. Ouais. Aujourd'hui, on va chasser. Ouais. En s'amusant. D'accord. Ouais. Ouais, vive Ka. Yeah. Oui. Ouais. Allons-y. Ouais, on y va. Ouais, on y va. Ouais. Chasser le lièvre. Oh, mais pour chasser-le de loin. Comment ça? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Renifler, le suivre à la trace en le reniflant. Simba! Alerte! Le cobra se dirige par ici! Calmez-vous, il n'y a pas de danger. Le cobra a promis de ne pas toucher aux animaux. Hé, hey, venez! Nous commençons la chasse! On n'aurait pas dû lui faire confiance. Le cobra et le tigre sont cruels, nous les forcerons à se battre ensemble. Simba, attends, l'antre du tigre n'est pas loin. Tais-toi, c'est exprès, le cobra nous suit toujours. Alors, Simba et Bimbo. Nous allons vers le danger. On va essayer de provoquer un combat entre le tigre et le cobra. Réveille-toi. J'ai vu Simba et Bimbo. Oh, c'est pas possible. Je crois qu'ils veulent se rendre. Appelle tous les singes, on va les encercler. À vos ordres, j'y vais. Continuons. Seigneur et maître, il y a le feu partout. Ah!
Ils vont revenir, maman? Oh, c'est Balou. Oh, merci, Balou. Ah. T'as pas vu Simba et Bimbo? Non, personne ne les a vus. On ne les trouve nulle part. Nous sommes tous dans l'angoisse. Ne nous faisons pas trop de soucis. Facile à dire, mais c'est quand même inquiétant. Nous allons être obligés de partir d'ici. Ah oui, pourquoi? Le cobra blanc détruit tout sur son passage. C'est trop dangereux. Ce cobra est détestable. Bagheera, tu ne les as pas trouvés? Non. Il faut se débarrasser de ce Maman cobra. Maman Lou, oh. Balou, Car. On est là. Oh, ma petite, vous êtes revenus. Oui, on est venus. Heureusement, vous êtes sains et saufs. Simba a conduit le cobra vers l'antre du tigre au péril de sa vie. J'ai bien voulu l'en empêcher, mais il est têtu. Pourquoi as-tu pris tous ces risques, Simba? Pour obliger le cobra et le tigre à combattre l'un contre l'autre. Et on en a profité pour déguerpir. Ce cobra est fou, il détruira toute la jungle. Il est malfaisant. Il brûle tout par plaisir. Il est temps que nous lui donnions une bonne leçon. Il faut l'éliminer. Mettons-le hors d'état de nuire. J'en fais mon affaire, j'ai un plan. Bien. Ka! Attention! Il faut que tu saches que ce cobra a deux têtes et qu'il crache le feu avec ses deux gueules. Il est très méchant, rusé, hypocrite. Il faut s'en méfier sans cesse. Il ne rate pas une occasion pour abattre son ennemi. Le courage ne suffit pas pour le vaincre. Va se charger de lui.
Bimbo, tu es courageux. Grâce à toi, on a vaincu le cobra. Tous ensemble, nous avons réussi à délivrer la jungle du cobra. Ouais. Décidément, tu nous rappelles beaucoup ton père. En effet, il tient de son père son courage et sa générosité. Cette fois, nos efforts ont été grandement récompensés. Nos jeunes héros ont pris de l'assurance en grandissant. Chaque jour leur apporte un peu plus d'expérience, ce qui développe leur intelligence. Ne manquez pas notre prochain épisode si vous voulez vivre une nouvelle aventure. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nos vies ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici. On se surprend, on se fait peur, on sourit. On fait la course, on se faufile partout et la nuit. Notre mère, c'est une autre maman, Arbor est notre papa, Simba et Bimbo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur. À la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent. Nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.